La sœur d'Ena est une femme, mère au foyer, femme mariée, mère au foyer, et une adoratrice de l'Éternel. En tout court, c'est ce que je pourrais dire sur moi. Chacune des chansons que j'interprète, moi particulièrement, sont des chansons qui m'inspirent. Premièrement, parce que il n'y a pas possibilité de pouvoir prêcher ou de pouvoir donner meilleur exemple que si ce n'est de vivre cette histoire soi-même. Donc, lorsque je chante Happy Day, c'est vrai parce que c'est une très vieille chanson dans le gospel américain. Il y a d'ailleurs vraiment tourné, tout le monde connaît cette chanson. Et j'exprime aussi la joie qu'il y a dedans d'être lavé par le sang de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui regardent nos chansons et qui nous écoutent, mais qui ne parlent pas la langue, par exemple, le lingala ou l'anglais, la langue que nous sommes en train de chanter. Et par l'expression du visage, une personne pourrait sentir exactement ce que vous voulez traduire lorsque vous chantez une chanson. Donc, je pense que l'expression va avec la chanson.
komo Sua pekemo Sua lo komo Sua pekemo Bolingo neyo eto Y'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, tu l'as dit. Tu l'as aussi fait le jour de ta crucifixion pour que l'accès dans tes parvis ne me soit plus conditionné. Par ta grâce, j'ai pu être positionné, étant fusionné comme le cèpe aux sarments. Je suis dans l'œuvre sans vouloir démissionner. Nul ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Nul ne peut se comparer à celui qui m'a choisi. Jésus s'est emparé de moi, je suis à lui. Sa grâce a reparé ce que le mal a détruit. Yeah. Quand je t'ai égaré, je l'ai vu accourir afin de secourir pour qu'on puisse parcourir la route. Il m'a tracé, Jésus m'a fait sourire quand j'étais oppressé. J'ai trouvé un ami à qui j'ai tout remis. Ses pensées se renouvellent comme le dit Jérémie. Chaque matin dans ma vie, les la source infinie d'amour et de grâce, le Dieu qui m'a béni. Il y a ici-bas un peu d'amour. Je me sens seul, mon cœur ici. Je ne peux plus porter ce valeur qui me voûte. Père, je t'appelle. Jésus mon cœur, puis je cherche.
peux témoigner sa fidélité. Je peux le déclarer, je peux le témoigner. Je l'ai vécu dans ma propre vie. Il est l'ami fidèle. Mon ami, Seigneur.
j'abandonne tout, tout avec bonheur. Un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin. Il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Non, je n'ai plus peur de rien. Je ne crains plus rien. Car le bon berger, alléluia, et de mon côté, même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, oh, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath, il se croyait grand, se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, oui, je me mets à son terre. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, et ses empreintes, non, oh oui, font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et oui, je sais, et lui est mon papa. Oh, regarde bien. Je sais, j'ai les traits de mon papa. Oh, lui seul me suffit. Oh, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire,
lorsqu'ils me regardent, ils se disent il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Oh, l'Éternel m'a lavé, il m'a pris de loin, il m'a racheté, il m'a appelé au vrai prix. Oh, ses yeux m'ont vu, il a marqué son sceau dans ma vie. Je ne cesserai de chanter l'Éternel. Acoustique, je dirais, spéciale pour Kinshasa. Je pense qu'on attendait ce genre de choses, surtout pour les artistes, pour pouvoir s'exprimer un peu plus. Et surtout que c'est juste un moment où l'artiste est en train de chanter, il n'y a pas d'intervention. Qu'est-ce que je dirais? Il y a liberté de pouvoir exprimer un mini-concert, mais aussi ça nous donne la facilité, surtout pour des artistes comme moi, qui aimions travailler avec... Enfin, moi, j'aime travailler avec ma voix et... ça nous donne quand même la possibilité de pouvoir mieux nous exprimer. Et je pense que c'est une superbe idée venue de B1. Icône, votre rubrique qui accorde la parole à ceux qui accompagnent et soutiennent vos stars dans leur réussite. Parolier, chroniqueur de musique, arrangeur, mécène, producteur et autres. Icône, votre rubrique dans One Acoustique, plateau de l'excellence.